nous attendons ça. Nous sommes très fiers et ravis de pouvoir faire cette première pierre aujourd'hui à 15h. Et moi, je suis une conseillère départementale heureuse. Pourquoi ? Parce que c'est la première pierre d'un collège qui est attendu depuis 40 ans. Nos enfants allaient sur Fontainebleau jusqu'à présent, Fontainebleau avant. Donc maintenant, le collège est à leur portée, à vélo, à pied. Donc ça va être beaucoup plus simple pour les enfants de la commune d'Héricy. Et puis nous sommes le premier contributeur du syndicat des abords du collège, syndicat du collège, qui donc travaille sur l'organisation future de l'arrivée, j'ai envie de dire, des élèves sur ce collège avec les voies douces, avec la gare routière et l'aménagement du RD39, donc la route d'Héricy, ce qui va permettre l'arrivée des bus, l'arrivée des enfants à vélo, à roller, à pied, de façon bien évidemment, le but il est là, c'est diminuer le coût des transports et le temps passé dans les transports. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir un collège de proximité tellement attendu. Les milléniaux se prirent à croire qu'un collège viendrait à se construire dans notre beau village. C'était en 1977, il y a 39 ans. Cette première pierre qui nous réunit aujourd'hui est un symbole à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que ce collège est attendu, je le sais, depuis plusieurs décennies. Ce collège constitue une infrastructure publique essentielle pour l'attractivité et le dynamisme de Vulaine-sur-Seine et de ses voisins. Ce sont 21,7 millions d'euros que nous consacrons en tout à cette opération. Ce collège sera un collège à taille humaine, avec 600 élèves. Les nouveaux collèges que je souhaite voir réalisés par la nouvelle équipe départementale, ce seront des collèges 600. C'est un foyer de culture et de transmission pour nos jeunes qui exige la plus grande attention en matière de qualité d'enseignement et d'éveil à la vie de citoyens actifs et responsables. Cette première pierre a une valeur particulière parce que c'est un signe d'espoir. Construire aujourd'hui un collège, c'est quand même formidable pour le département de Seine-et-Marne et pour la collectivité que vous représentez. Ça fait plaisir d'avoir un département qui reprend ses réelles compétences et qui va construire ce collège. Et c'est vrai qu'en termes d'aménagement du territoire, ces communes en ont besoin. Ça permettra aux enfants d'avoir moins de transport, d'avoir une qualité de vie et une qualité d'enseignement qu'on espère toujours pour nos enfants. Alors qui va venir dans ce collège alors ?